Bitch, je suis trop moche aujourd'hui. Oh my god. Hey guys. Coucou tout le monde, c'est Clément. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est tu préfères ça ou ça? Et donc je vous avais demandé sur Instagram de me demander ce que je préfère entre deux choses différentes. Donc je vais vous répondre en vidéo YouTube. D'ailleurs si toi aussi tu veux me poser des questions etc. quand je fais une FAQ sur ma chaîne ou quoi que ce soit, c'est sur Instagram que ça se passe. Donc je vous mets mon Insta là et juste en barre d'infos, vous avez juste à cliquer et subscribe. Donc voilà, je vais pas plus parler, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc tu préfères ne pas être capable de faire des compliments ou ne pas être capable de te plaindre? De loin, ne pas être capable de faire des compliments. Se plaindre, c'est genre quotidien, ma vie, genre... Tu préfères mourir noyé ou mourir avec le feu? C'est horrible! Oh, t'imagines, t'es là, tu meurs brûlé ou tu meurs noyé. Genre c'est horrible les deux, je veux jamais que ça m'arrive. Brûlé en mode tu sens ton corps il chauffe et tout, t'es là 360 degrés. Genre tu sens que t'es en train de bouillir et tout, c'est horrible. Et noyé d'un autre côté c'est horrible aussi parce que tu sens tes poumons se remplir d'eau là. Mais si vraiment je devrais faire un choix, je préfère quand même mourir noyé parce que t'es là. Tu flottes, tu vis ta meilleure mort. Enfin non pas ta meilleure mort mais en mode t'as capté, tu te sens... Enfin bref, t'as capté. Et en mode, tu passes devant les poissons et tout, t'es là. En mode Titanic, wesh. J'ai cassé mes lunettes. Tu préfères le soleil ou la pluie? Bitch, quelle question. La pluie qui veut, franchement, flemme. Tu préfères boire un bol de sueur ou un bol plein de poils? Vous êtes horrible. Qui veut genre boire ça? Sérieux, ma phobie. Mais genre si je dois faire un choix, je préfère... je veux jamais avoir... Je veux jamais boire ça de ma vie, c'est hors de question, ma phobie. Je meurs direct. Sinon je préfère... Un bol de sueur, genre ça passe plus, t'as capté, parce que les poils ça reste accroché et tout. Oh, t'es classe! Tu préfères être mince et poilu ou grosse et sans poils? Je préfère être mince et poilu, genre des poils ça se rase, wesh. Tu préfères porter des talons toute ta vie ou porter des ballerines toute ta vie? Je préfère porter des ballerines à la limite, les talons, it's not for me. Tu préfères être enfermé avec 100 personnes malades ou 100 bébés qui pleurent? Je vous jure que les bébés, c'est ma phobie. Ma grosse phobie en mode de les cris et tout là. Bitch, laisse-moi sors. Sors de là, sors. Tu préfères habiter à Paris et ne plus manger McDo ou habiter dans ta ville et avoir des McDo quand tu veux? Je préfère habiter à Paris et ne plus avoir McDo parce que comme ça j'habite dans la ville où j'ai envie d'habiter. Et comme ça, je grossis pas en plus, donc c'est perfect. Tu préfères avoir 100 millions d'euros ou 100 millions de fans? Ben, 100 millions de fans, genre, c'est grave bien. En mode, t'es là, tu rencontres plein de gens et tout au quotidien et tout, genre, c'est trop bien. Donc, je pense 100 millions de fans. Enfin, après, je sais pas du tout, genre... Tu préfères être avec la nonne pour regarder Riverdale ou être avec The Conjuring? Hein? J'ai pas d'argent. Tu préfères être milliardaire pendant 3 ans ou tuer Alexis sachant qu'il va revenir à la vie 3 ans après? Bye bye Alexis! Je te souhaite une bonne année, une bonne santé, à dans 3 ans! Tu préfères être riche et ne pas avoir d'enfants ou être prof... Tu préfères être riche et ne pas avoir d'enfants ou être pauvre et avoir 3 enfants? Je préfère, ben, si je serais pauvre et que j'aurais 3 enfants, ils seraient mal éduqués et tout, genre ils auraient pas tout ce qu'ils veulent et tout, donc si c'est pour avoir un enfant et qu'il a pas ce qu'il veut, genre que je puisse pas le nourrir et tout ça, autant ne pas en avoir, genre je préfère, enfin je préfère pas avoir des enfants pour qu'ils soient mal éduqués et qu'ils soient malheureux,
Tu préfères avoir des cheveux très longs, genre réponse toute ta vie, ou ne pas avoir de cheveux pendant 10 ans? Je préfère avoir les cheveux comme réponse, sortir ma plus belle chevelure, à mes plus beaux shooting photos, et faire la bella sur la playa, bref, t'as capté? Tu préfères te brûler avec de la glace ou te brûler avec du feu? Ben, me brûler avec du feu, genre les glaces l'été sur la plage et tout, tu fais comment pour manger les glaces? Genre, t'es là, tu fais... Genre t'es brûlé bitch, non. Avec du feu c'est mieux. Tu préfères être moche et tout le monde t'accepte comme ça, ou être belle mais tout le monde te traite de beurrette et tout? Franchement être belle, parce que vas-y, qui cala les critiques, j'ai envie de te dire. Moi je ne cala personne. Et c'est tout wesh. Qui a le droit de te critiquer? Qui a le droit de juger même? Personne, donc vas-y, je cala pas et c'est tout quoi. Je mets ma meilleure vie dans mon meilleur corps et mon meilleur visage. Et je ne vous cala pas. Tu préfères enfermer Alexis dans ton placard pendant 2 ans et partir à LA, ou le laisser partir à LA et toi tu es enfermé dans ton placard pendant 2 ans? Bitch. J'ai pas besoin de coller avec Alexis, mais je me taille à my. Bye bye une deuxième fois. Tu préfères perdre la vue ou perdre Louis? C'est qui Louis? Tu préfères habiter dans une maison sous la mer bien protégée ou sur une île? Mais sous la mer, genre iconique, en mode bien protégée et tout, en mode des grosses vitres que les requins et tout ils peuvent pas casser, en mode ça doit être trop bien. T'es là, tu vis ta meilleure vie, tu vois les poissons passer devant ta vitre. Genre iconique, en mode c'est trop bien, genre vraiment original, j'adore. Bob l'éponge carré sort de ce corps quoi. Tu préfères lécher la brosse à toilette ou boire du liquide vaisselle? Je préfère boire du liquide vaisselle, comme ça mon estomac est nettoyé. Bref voilà tout le monde, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Je vous mets tous mes réseaux en barre d'infos. Venez surtout me suivre sur Instagram, c'est super important. Et sur Twitter. Sur Instagram, je pose tout le temps des questions dans ma story, pour mes vidéos YouTube, enfin vraiment pour tout. On se retrouve mercredi à 15h pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Cœur sur vous. Et prenez soin de vous. Hey. Hey, blow up. My plug talk.